C'est pas non plus dramatique, mais bon. Ah mais ça joue là ? Ah mais ça joue vraiment ? Ah mais ils sont partis directement, putain, ils nous ont même pas attendu. Bon. Ouais, on est parti pour la continuer, la Pandaru, ouais. Pandaru qui a son S habituel. On est parti directement sur Green Hill. On a raté une bonne partie de la première stock. Donc voilà, Pandaru qui est en winner side, donc qui a que 3 games à gagner. Donc de son côté, on a 6. Le backer qui prend la première stock. 80%. Le backer de Bidouf. Le side B qui n'est pas fini. Enfin, le B qui n'est pas fini. Joli. Le père qui va chercher Pandaru en dehors du terrain. Effectivement, dans ces cas-là, il ne faut pas laisser du temps à Ness. Il faut lui mettre la pression et aller le chercher. Yes, yes, it's Project Plus. Because je sais pas qui c'est, Jukebox. Mais effectivement, c'est bien du P+. Le side B, hop, une petite dash attack. Pandaru qui met la pression. Side B de Pandaru, de Bidouf. Oh, il se fait punir parce qu'il a pas réussi à les mettre suffisamment en pression correctement. Donc là, ça va être compliqué. Hop. La dash attack, il couvre. Pandaru qui arrive bien à gérer. Ouais, avec effectivement, il sait faire, il arrive. Dans ces cas-là, si jamais t'as pas le temps d'aller chercher Ness en dehors du terrain, effectivement, il faut se méfier parce que tu te fais vite avoir par sa recovery et c'est dramatique parce qu'elle est très très puissante. Elle est très très belle. Sur attaque, tu peux mourir très très tôt à 0%. Ouais. En plus, avec Falcon, tu peux pas se permettre non plus des grands problèmes. Ouais. Hop, on essaie de jugger un peu maintenant. Pandaru qui couvre très bien. Il va s'y faire. Hop, oh, pas suffisant encore. C'est petit side B, c'est bien. Il faudrait que tu parles plus près du micro, apparemment on t'entend pas assez. Ah, ouais, puis c'est plus. Ouais, désolé, Finn. Pandaru qui essaie vraiment de couvrir l'option avec son neutral B. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Je sais que dans l'ultimate ça fonctionne. Hop, down air into back air. Et on est reparti. Dernière stock. 60% d'avance, c'est pas grand chose. Dash attack, back air, oh le bluff smash qui passe pas derrière. Qu'est-ce qu'il va faire Bidouf? Ah, c'est des cas. Pandaru qui est. Oh, il a dû se faire voler son pour quelque part. Du coup, c'est Pandaru qui prend toute cette première game de la grande finale. Et on est de retour sur le Panda qui est en winner side. Ouais, winner side, Panda. Donc elle est double. J'ai très très chaud aujourd'hui. Ah, il s'est fait une. Oh là là, c'était. Par contre, Panda est énervé. Mais d'un sale. Clippez ça, mettez. Clippez ça. Énervé. Clippez ça, c'était un combo à 100 et quelques pourcents. C'était une violence. La tentative, le rib, ne passe pas malheureusement. Là on va avoir Bidouf qui va avoir beaucoup de boulot à faire, à fournir pour revenir. Il y a une stock d'avance et Pandaru a tout le momentum. Il va temporiser en l'air avec son down B. Le smash. Down air. Ah non, backer. Pas suffisant. Oh. Ah pas suffisant. Ah si si. Parce qu'il a gardé la edge. Bien, bien, très très bien. Attention. Les petits lettres à l'air en se récupère. Le head smash qui passe. Hop, le back air et qui trade et qui va prendre la stock parce que évidemment pas les mêmes pourcents. Pandaru qui est quand même monstrueux, ce gars. Il est monstrueux. Non, et au bout d'un moment, faut qu'il se calme. Faut qu'il laisse les gens un peu déprimés, un peu. Oh, deux donner. Oh. Dommage. Le side B. Oh, le side B into down air, mais ça aussi ça c'est culpable. Oh, ah, le nid qui. Ah, le nid de race. Il cherche les nids, mais malheureusement, les nids en neutral c'est un peu compliqué. Le nid, bah, tu passes, j'ai rien de tout. Des fois, je prends rien de me taire. Après, c'est vrai que des fois, le nid on voit dans des zones un peu bizarres, donc on n'est pas forcément ça. Il utilise extrêmement bien ses side B pour la roue. Histoire de zoner, de pas trop se faire. Ouais, puis de vraiment bloquer Bidouf, casser.
Nabilou, c'est difficile pour lui parce qu'à approcher, il a les projectiles, il a une à la distance avec une machine attaque, etc. Ouais, etc. Effectivement. Et en plus, Pandarou, il a une très bonne connaissance du jeu, donc effectivement, les petits fers qui vont justement. Il a quand même bien réduit le rôle, etc. Il avait justement couvert sa rôle avec le side B, mais il n'a pas été utile. Le Nick a voulu. C'est ton coup trade avec le Gold V2. Ah, oh là là, mais il est monstrueux ce Pandarou. Monstrueux. Il se permet même de boire sa bière en plein milieu du match. Saban, DF et Battlefield. Et on est reparti pour Smashville. Dernière potentielle game de cette grande finale. Exactement. Mais les deux joueurs sont étaient très très beaux aujourd'hui. Ils sont. Bidouf c'était une sacrée loser run. Bidouf a mangé des Alvinis, des Davianel au petit déj là. Ouais, des chirurgiens. Il était en loser contre moi, puis il a enchaîné sur Davia, il a enchaîné sur Chirurgien et maintenant contre Pandarou. Il a enchaîné quand même des gros matchs. Même s'il se fait mener 2-0 pour l'instant, il ne perd pas patience en train. Il essaie d'avoir un momentum, d'être à fond, c'est cool. Hop là, il avait parfaitement anticipé la back-air. Parce que ça a fini. Voilà. Ah, c'est cool ça, il a pas tenté de spécifier. Ouais, mais ça n'a pas été suffisant. Et le back-air qui prend cette première set. Mais bon, là, on est à 100% depuis un moment déjà. Donc, il suffit qu'il y ait un nu qui arrive. Et voilà. Il a parfaitement attendu que Ness utilise son offense LB pour venir le punir avec un upper. Effectivement, la patience a payé. Hop. C'était un nipple spike. Ouais, c'est un nipple spike. Ouais. Ça semble bien. Il a essayé ensuite de rig la run, mais ce n'est pas passé, mais il est resté safe. C'est tout. La dash attaque de Pandarou. Mais par contre. Ah, c'est dommage ça. Bon bah, après Pandarou, j'arrive. Mais juste, il reprend un peu la terre. Putain, la mobilité du neutral B de Ness. Z de neutral. J'ai pas fait attention à ça. Hop, dash attaque. Hop, ah, il s'est passé un temps de trop là. Ouais, bah il avait un. Là, on a Pandarou qui a réussi à anticiper la couverture avec le smash qui avait fait une bouffe. Les back-airs. C'est un back-air ou. Ouais, dash attack. Et le nid. Oh, oui, il avait parfaitement anticipé le retour. Et on a Bidouf qui a une stock d'avance. Là, il se fait beaucoup mieux, il fait attention au dash attack. Le nid. Là, c'est un peu sa dernière chance pour qu'il décide de le jouer après. Il donne tout, effectivement. Il donne tout. Dash attack encore une fois. Allez, allez. Vas-y, mon petit. Pandarou aussi. Pas suffisant. Joli. Oh, le temps battu de faire qui n'est pas passé. Ah, ça aurait pu être puni beaucoup mieux. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Un autre était plus appelé. Oh, mais... La récolte qui est pas mal. Le Whitney, le stomp. Et là, le pourcentage il continue d'augmenter du côté de Pandarou, c'est que. Putain, il revient avec ça. C'est juste. Hein. Le back-air, voilà, c'est pas un stop. C'est 80%, un nid et c'est fini. Bah, une ouverture et c'est fini pour ça. Oh, weak knee. Faut que Panda la joue. Ouais, là, Pandarou, il. Faut pas qu'il fasse de 1. La dash attack. Très vite partir. Dommage, pas fini. Après, il se pèse bien. Ouais, mais 93%. Ouais, mais bon. Compliqué. Ça me paraît compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. Le side B, c'est par là que ça commence. Et le nu. Et le nu qui permet à Bidou. Qui est trouvé, qui tue Panda. Ah, 2-1, pardon, dans cette demi-finale. Ouais, qui permet de prendre cette socle. On n'est pas passé loin, mais. Il y a un potentiel comeback, on y croit. Ouais, voilà, je pense qu'il s'est réveillé. Au début, Pandarou était quand même vachement malgré. Il est mis en avant sur certaines phases. Alors que là, Bidou a l'air d'être plus adapté, mieux patient. Le momentum va peut-être changer de côté. Nous allons voir. Bon, on peut s'observer pour l'instant. Voilà. On est parti sur WarioWare. Pandarou qui essaye de. Ah, la tentative de catch le saut et de tuer. On n'a pas passé, mais c'est dommage. C'est un peu greedy quand même d'aller le chercher avec un donner comme ça. C'était assez possible, mais si ça passait, au moins il avait un gros avantage. Mais au moins il a rien perdu. C'est ça qui est important.
dash attack. Oh. Je pense que ça capable de donner un check de la main de Panda. Voilà, c'est ça qu'on va voir effectivement. Il a couvert la remontée de Falcon, c'est tellement de choses pour les smacks quoi. Ah, tu l'as tenté. La F-Ro, mais la F-Ro, Genèse, elle est pas très bonne. Genèse, elle est rare. Oh la taunt, ils sont taunt en plus. Mais quel manque d'honne. Je sais pas si ça fonctionne comme sur Melee, mais sur Melee, la F-Ro, elle est tapée. T'as une distance. Pas en fonction du pourcentage, tu vois. Ah, c'est pas en fonction du pourcentage. Non, on va toujours à la même. Non, toujours à la même distance. J'ai l'impression que t'as bien, il te renvoie dans une direction différente, mais c'est toujours à la même distance. Qui est donc très bien à très bas pourcent, parce que tu peux facilement sortir plus bien du terrain, mais à haut pourcent, ça a beaucoup d'intérêt en fait. À part pour peut-être mettre à faire. C'est dommage là pour toi. J'ai pas vu de la réussite là-dessus, qu'on a retrouvé le série compris avec CSIP. Oh, le triple spike! Le spike! Le 2 c'est sur 20. Ouais, c'est dommage que. Oh! Et il revient. Ça remonte. Et le nid pour remonter. Trouver très peu. Deux stops par coup. C'est plutôt serré quand même. En quelques ouvertures, vous dites pourrait mettre extrêmement cher à combattre comme là par exemple. Ah, c'est le on a vu que quand même a bien confiance sur les personnages en face. On voit qu'il se méfie de cette dash attack contre Pandaru à la vitesse de terre. C'est side B à Pandaru, ils sont toujours aussi bien réalisé que c'est un scandale. Ah bah il est. Après bon, c'est Panda et aussi il a l'habitude de. Ouais, c'est... Ça peut oh faire... Si c'était retourné, il aurait pu. C'est dommage ça. Il a pas spawn. Je pense qu'il avait peut-être fait Sony. C'est pas comme fun pour prédire une voix. La back throw, là on est dans le but, et c'est le dernier stop du tournoi. Ouais mais tout est pas encore joué. Oh non, non. Oh la carrière de site très bien joué. Oui. Dernier stock, la stock de Bidou. Et on est à 20%. Donc autant dire que tout est réalisable. A voir ce qui va arriver. Ah peu grave. Non, c'est juste en fait. C'est pas une bonne arme. Le side B. Ça tient pas laisser une ouverture, ça se fait bien. Bidou qui résiste. Hop, la troll. On dit troll, des petits niches. Pas de gros risques. Et le nid. Et le nid qui tue. Non. Ah dommage. Mais il va faire de Panda. Et revient, ah, et revient. Notre alerte. Oh là là, le voilà. Bien joué de la part de Bidouf. On a donc Bidouf qui prend cette quatrième game. Bidouf, deux stops partout. On avait dit que Bidouf avait la capacité à remonter. Il lui suffit juste de gagner cette game et d'en gagner 3 de plus. Après, il n'est pas encore joué s'il reset. Mais ça. En tout cas, ça fait que ça. Là il s'en est bien sorti. Ouais. Il s'est bien adapté. On est parti sur Place Delfino, donc le terrain inspiré de Mario Sunshine. Ah, mais un très bon jeu. Oula, fais attention parce que je sais qu'il y a des clivages. Alors, c'est vrai que ça dépend. C'est un jeu clivage. Ah, ouais. Non, juste revenir sur le terrain. Voilà. Tu vois, il a joué plutôt la sécurité. Il a attendu Ness avec le shield. Il a pas. Bah là, il a eu raison puisque là, il a l'avantage. Il a encore Panda offstage. Oh, dommage. Ah, c'est dommage. Pas grand chose. La dash attack des shields. Est-ce que ça sa nuit c'est tout. Panda panique, ça mange des joues. Panda qui se fait casser les dents par quelques mains. Et bon, on prend quelques pourcents. Dash attack, fer. La panda qui essaie de trouver les fers, les grappes pour. C'est depuis votre grappe là. Il essaie depuis votre grappe. Là, pour se mettre à l'air, pas dans le sens. Bidouf, même s'il est en désavantage niveau pourcent, etc., il temporise bien en fait. Il trouve bien les ouvertures, c'est bien. Là, la base qui a tué en fait. Le crâne dans cette. Il se prend le deuxième. Pandaru qui a très bien dirigé son autre vie. Ça aussi, il faudra kiffer ça, je pense.
Ah, les douches là qui recommencent à. La guerre. À trouver le... Ah, dommage. Ouais, de toute façon, je pense pas que ça aurait été suffisant. Est-ce que Gus non. Je crois pas qu'il puisse. Le chat, n'hésitez pas à nous dire si Nest roll jump, il semble pas que dans ce là, c'est comme pour Ultimate, tu peux quand il fait un side B vers un mur, il peut. Non, pour non, ça, je crois pas. Tu veux dire, mais je crois pas que c'est possible ici. Ici, c'est à la gueule. Je crois que tu mets un coup sur que. Panda là qui a un sou bien remonté. Ouais, mais Bidou qui a un sou bien temporisé, c'est lui, il a plus grand de 2%. Il reste quand même face à la pression qu'on a. Ouais. Il a son truc aussi. Oh, donner. Non, pas vraiment compatible de récupérer le stage. Hop, la dash attack. J'espère qu'il n'y a pas une connexion ça. Le nid dans le neutral. Le nid dans le neutral. Pourquoi pas. Bidou qui a une petite attaque d'avance. Ça a l'air plutôt bien parti pour reset là. Parce que le grand arbre, ça serait beau un reset. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait mérité. À voir comment pour la rouge gère cette situation parce que l'air d'un reste dans le match. En vrai, tu essaies plutôt de chercher des fois. Il essaie de chercher des fois à terre. Ah, il essaie de. Il utilise beaucoup son side B. Il a pas de grab ledge. Hop, là c'est foutu. Backspace dessus. Donc la stock les deux joueurs au fil du temps qui arrivent à bien s'adapter l'un à l'autre et qui essaient de pas gagner. Oh putain, le nu au sol qui est toujours super stylé. Ouais, grave. Ah, c'est dommage pour Panda. Heureusement, il a pas été gagné. Pour ça. Panda roule et c'est side B, c'est quand même assez impressionnant. Perso, j'aurais déjà pété un câble. Voir comme ça, ça fait. Il a une sacrée mentale à. Bah, il sait que ça joue à. Oh non, dommage. Oh non, ça se termine là-dessus. Ça se termine malheureusement sur une. Je